Bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu le constater sur les premières images, il y a du vent. Je vous emmène aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de ma précédente vidéo, puisque si vous la regardez, je vous mettrai le lien où vous pouvez aller la voir là. Si vous l'avez vu, je vous avais dit que j'avais un petit peu écourté le programme qui était prévu à cause du temps et puis d'un brouillard très épais qui bouchait toute visibilité. Donc je viens aujourd'hui faire un peu la suite de ce qui était prévu en aménageant un petit peu, évidemment. Et donc je suis parti depuis l'auberge du pied du Honeck. J'ai passé le Honeck, donc très embrumé et très venteux, et je suis maintenant en direction du petit Honeck et vers la descente qui m'amènera vers le lac du Schisrottrid. Voilà. Alors j'espère que le vent n'a pas trop gâché le son, et puis je vous invite à me suivre sur cette journée qui devrait être ensoleillée selon la météo. Allez, c'est parti. Voilà, je suis de retour à la petite ferme, là juste au centre de l'image, qui m'avait servi de refuge pour la pause de midi la dernière fois. Donc là, je venais du Frankenthal et j'avais prévu de redescendre, hop, ici au col, de redescendre de l'autre côté pour aller au lac. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, avec un temps beaucoup plus lumineux, avec du vent, mais dans la descente, normalement, ça devrait aller mieux. J'ai perdu un peu d'altitude et du coup c'est un petit peu plus confortable pour filmer. Là, le couvert végétal de la forêt casse un peu le vent, et pour les micros je pense que c'est mieux. Voilà, donc je suis toujours dans la descente du lac du Schisrottrid, après la chaume donc qui porte le même nom, la chaume du Schisrott. Voilà. C'est aussi une petite chose toujours à retenir. La météo était favorable aujourd'hui, mais en montagne, le temps est toujours changeant. En général, il va très vite. Donc même si tous les indicateurs sont au beau fixe, il vaut mieux toujours avoir un petit vêtement de pluie ou un coupe-vent, enfin une couche protectrice dans le fond du sac quand on s'aventure en montagne. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne regrette pas ma veste de pluie, qui fait très bien coupe-vent. Allez, on poursuit. Et je vous emmène au bord de l'eau. Ça y est, je suis arrivé donc au lac du Schisrottrid,
qui se trouve à 930 mètres d'altitude. Et comme vous l'avez vu, il a été aménagé avec un barrage qui a été construit entre 1887 et 1893. Alors on est dans un cirque glaciaire avec donc un ancien lac glaciaire dont le niveau a été relevé par ce barrage donc, dans le but donc d'alimenter les cours d'eau en aval qui servaient à produire l'énergie nécessaire aux industries alsaciennes. Bon, c'est le cas de beaucoup de lacs dans le coin. Et juste au-dessus du lac, on aperçoit, mais on les verra mieux plus tard, les fameuses aiguilles, les Spitzkopf, qui se dessinent derrière les arbres là qui ont perdu leurs feuilles. Bon, sur ce joli cadre, je vais donc quitter le GR5 que je suivais depuis le début. Je le retrouverai en fin de randonnée. Et puis, je vais prendre maintenant le GR531 et qui va me mener donc au lac suivant. Allez, vous me suivez, on remonte la digue et puis on y va. Derrière moi, vous voyez aussi des constructions. Il s'agit de refuges du... Je crois que c'est un ski club, je ne sais plus lequel exactement. Enfin, il y a un refuge gardé qui est à disposition ici, mais qui est actuellement fermé, puisqu'on est hors saison estivale. Une petite table. Enfin, différents aménagements pour pique-niquer et profiter du coin. Pour le moment, j'ai perdu un peu mon ciel bleu, mais ça devrait revenir. Ça y est, je suis au belvédère du premier Spitzkopf, donc la première aiguille de cette petite chaîne qui se dessine juste derrière moi, là-haut. Et puis, donc un point de vue superbe. La cascade qui coule, ça change de l'été. Et puis tout au fond, le petit lac du Fish Baudelet, niché dans son écrin de sapins, de hêtres qui ont une couleur magnifique. Et puis ensuite la vallée là qui descend. Non, franchement, c'est un point de vue superbe. Alors ce petit lac du Fish Baudelet, il se trouve à 794 mètres d'altitude.
Et donc c'est un ancien petit lac glaciaire qui a été également rehaussé en 1850 par un manufacturier de Münster, Jacques Hartmann. Et ce n'était pas pour comment utiliser comme force motrice ou énergie pour son industrie, mais simplement pour servir de réserve à poissons. D'où son nom, Fiche Poisson et Baudelet, donc qui veut dire bourbier ou dépression marécageuse. Voilà, c'était une ancienne tourbière. Voilà pour l'histoire de ce petit lac. Et puis je vais profiter de ce point de vue là, enfin tout ça quoi. Il y a un banc, il y a tout ce qu'il faut pour se reposer, pour simplement contempler, boire un peu d'eau et puis manger une petite friandise devant ce spectacle magnifique. L'automne, c'est le moment pour venir ici, je vous le dis moi. Les Spitzkopf sont très réputés pour tous ceux qui sont amateurs d'escalade, connaissent très bien l'endroit. Et comme vous le voyez sur les images, il y a quelques passages un petit peu techniques au niveau randonnée. Par contre, je vous déconseille le plus vivement possible de tenter de passer par les crêtes de ces arêtes sans équipement d'escalade, ou sans être accompagné par un guide. Ça a l'air simple, on est dans les Vosges, c'est pas haut, il n'y a pas long non plus, c'est intéressant, il y a des beaux points de vue, mais c'est hyper dangereux. La preuve, il y a une dizaine de jours, les secours ont été appelés pour une disparition inquiétante d'un randonneur. On a retrouvé ses bâtons un petit peu plus haut là-bas, et son corps gisait 150 mètres plus bas sur les rochers. Voilà, donc c'est régulièrement que les aventuriers en herbe ont des soucis plus ou moins graves en essayant de passer sans équipement sur ces arêtes. Bon, sur ce, je vous reprendrai sur un endroit un petit peu moins scabreux, et puis on continue nous sur le GR 531. Thank you.
Je suis arrivé au Kerbholz. Bon, c'est un petit peu la récompense après un chemin assez technique dans la forêt. Après le petit pont et le ruisseau que je vous ai montré. J'ai pas filmé parce que les passages étaient très techniques avec les rochers mouillés et pas mal de feuilles de hêtre aussi qui sont humides. Donc j'ai concentré mon attention sur la grimpette. On voit en face, voilà les fameuses arêtes, tout au bout desquelles je m'étais arrêté tout à l'heure. Le Honeck juste au-dessus. Et on voit un petit peu le parcours fait depuis ce matin avec le ciel bleu qui est enfin là. C'est magnifique. La descente vers le lac de l'Altenweyer, c'est pareil, hein. C'est joli, mais toujours très technique avec beaucoup de rocailloux, de pierriers et puis de feuilles. Donc c'est toujours difficile de progresser dans ce genre de terrain. Et puis il faut toujours garder une vigilance à chaque pas. Concentré. Ça y est, je suis arrivé au lac de l'Altenweyer, le vieil étang, pour faire ma pause de midi à 12h50. Enfin bref, non, celle-là de peau, je ne l'ai pas volée. Donc, sur ce joli lac, il se trouve à 920 mètres d'altitude. Et comme vous le constatez, il est également équipé d'un barrage qui a été construit entre 1886 et 1893. Donc un ancien lac glaciaire, une fois encore, avec les crêtes, voilà. Donc tout à l'heure, après manger, il faut que je remonte là-haut. Alors je sais que ça vous fait plaisir. Ici aussi, il y a une petite légende. Alors, je pense pas qu'elle soit très ancienne. Parce qu'on parle du lac. Donc avant que le barrage soit construit, il restait plus grand chose comme étendue d'eau. Enfin, voilà. Donc on dit, hein, que le randonneur silencieux, ce qui n'est pas mon cas actuellement, enfin, c'est pas leur nom, que le randonneur silencieux peut observer par nuit de pleine lune, donc en plus il est midi, voilà, vers minuit, le chariot d'or surgissant du fond des sombres et bouillonnantes eaux de l'Altenweyer. Voilà, donc il y a un chariot d'or au fond de ce lac. Ceux qui ont vécu ce phénomène extraordinaire, bah oui, ont toutefois été touchés par des troubles qui ne leur permettent pas de rapporter cette mystérieuse apparition dans notre langage habituel. Voilà. De là à se dire qu'il y ait des gars qui soient venus ici quand
campés à minuit, qui ont bien pris l'apéro et qui ont raconté des conneries le lendemain. Voilà. Enfin, l'histoire est belle quand même, comme toutes les légendes. Allez, maintenant, vous me laissez tranquille, je mange et je vous reprends après. Bon, voilà l'installation du randonneur avec le petit confort qui fait du bien. Allez, c'est reparti, direction le Rheinkopf à 1300 mètres, donc on passe de 930, je crois que j'ai dit tout à l'heure, à 1300. Donc c'est encore une bonne grimpette. Et assez raide. C'est parti. Allez, ici la difficulté, c'est toujours de trouver les cailloux sous ces feuilles, anticiper un petit peu et puis de gérer les glissades. Encore un point de vue génial sur le lac. Elle est quasiment arrivée au sommet. La pente est très raide, on le voit. Avec un chemin qui a beaucoup de lacets. Mais le calcul du dénivelé a été bien fait et c'est pas du tout fatigant. Un petit peu essoufflé, mais pas fatigué du tout. Et ça continue encore un petit peu. Bon, et ben voilà, j'en ai fini des difficultés techniques du chemin pour aujourd'hui. Là, le chemin du retour, je suis au pied du... Hop, si on voit là-haut. Au pied du Rheinkopf. Et donc je vais retourner vers le Castelberg, en direction du Castelberg, pour récupérer le sentier des névés. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de névé cette année. Comme chez tout le monde, l'été était particulièrement chaud, et donc les névés ont disparu. Quoi qu'il en soit, c'est une partie très agréable sur les chaumes, avec des vues superbes encore, vous allez voir. Et puis donc, ce sera un retour au pied du Honeck, avec le soleil cette fois-ci, pas comme ce matin. Le refuge du Rheinkopf, direction la ferme du Castelberg, Castelbeckwasen. Voilà, c'est par là-bas. Et par ce chemin, donc, je vais récupérer un petit peu plus loin le sentier des névés, qui est plus sympa que
la ligne droite et directe qui passe par le côté gauche du Castelberg là. Derrière moi, le refuge du Reinkopf, avec le sommet juste derrière, et un ciel magnifique. C'est toujours magnifique ces traits d'altitude, avec ces arbres, ces bois tourmentés. Puis on voit que les derniers coups de vent ont été un petit peu violents ici. C'est une ambiance mystérieuse, moi j'adore ça. Il manque un petit peu de brume à mon goût, mais je vais pas m'en plaindre. Encore une splendide vue avec la lumière déclinante. Tout au fond, là dans le creux, le pierrier où on est passé ce matin. Et puis toujours les impressionnantes Spitzkopf. Alors désolé, j'ai pas pu vous montrer de névé, comme je vous l'ai dit. Mais je vous invite à cliquer sur le lien que vous voyez en haut de l'écran, qui vous renvoie vers une randonnée que j'ai faite en hiver sur une partie de ce sentier. Et comme ça, si vous avez envie de voir de la neige sur ce décor, eh bien vous en verrez. Sur ces belles images encore que je vous dis au revoir. J'espère que cette randonnée, donc qui faisait suite à la précédente, vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci aussi beaucoup sincèrement pour tous les sympathiques messages que vous m'envoyez. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Sur d'autres chemins, en attendant, profitez de la nature, faites-y attention, et puis n'hésitez pas à venir visiter des endroits comme ici. Voilà. Allez, à bientôt, merci encore.